nous arrivons à mi-parcours. Là, je pense que la condition commence à revenir. Donc là, moi, ce que je vais préconiser, donc, c'est 3 séances. Alors, une première séance en tout début de semaine, le lundi, par exemple, ou le mardi au plus tard, avec 3 minutes de marche, et puis 6 fois 5 minutes de course lente. Par contre, cette fois-ci, on n'est plus sur 2 minutes de récupération, mais sur une seule minute de récupération. Voilà, ce qui correspond à 30 minutes de temps de course cumulé. Et puis on finit par 10 minutes d'étirement. Pour la séance 8, même principe, 3 minutes de marche, et puis 5 fois 7 minutes de course. Donc là, on passe de 30 minutes à 35 minutes de temps cumulé. Et puis avec des récupérations très courtes, puisqu'on est effectivement, j'ai réduit à 1 minute de récupération. Et toujours ces 10 minutes d'étirement. Et donc, je vous ai annoncé donc, une petite surprise, une petite variante par rapport à cette semaine. C'est cette troisième séance qu'on va appeler séance mixte. Donc, pour cette séance mixte, on va faire toujours nos 3 minutes de marche. On va faire 5 minutes de course lente. Et on va récupérer 2 minutes et on va enchaîner avec 6 minutes de 30-30. Alors le 30-30, c'est une petite nouveauté dans ce plan d'entraînement. Donc je vais vous expliquer un petit peu quel est le principe de ce 30-30. Donc on va marcher tranquillement pendant 30 secondes. Et par contre, on va courir à une allure un peu plus soutenue. Jusqu'alors, on avait couru plutôt sur des allures lentes. Donc là, on va être sur une allure un petit peu plus soutenue sur 30 secondes. Et on va enchaîner cet exercice donc pendant 6 minutes. Donc là, c'est intéressant. Et ce qui est important, ça va être de rechercher la régularité. Petite astuce, c'est on va fonctionner sur un parcours, sur un aller-retour. On va positionner des repères visuels qui nous permettent d'avoir des indications, des indicateurs par rapport à la distance parcourue. Voilà, et puis bien évidemment, on terminera par 5 minutes de marche, cette petite séance qu'on appelle mixte, parce que vous l'avez compris, il y a de la marche, il y a de la course lente, mais il y a aussi de la course à allure plus soutenue. Ça, je le redis, c'est pour ceux qui se sentent à l'aise dans le plan d'entraînement.